Dimanche 28 mai 2023, Sergio Rico a été victime d'un grave accident de cheval. Après 21 jours de coma, le gardien du PSG s'est réveillé et sa femme a tenu à donner des nouvelles rassurantes. Depuis plus d'un mois, l'état de santé de Sergio Rico inquiète ses coéquipiers du PSG. Dimanche 28 mai, alors qu'il réalisait un pèlerinage en Espagne, le portier a été victime d'un terrible accident de cheval. Héliporté d'urgence vers l'hôpital le plus proche, l'homme de 29 ans souffrait d'un traumatisme crânien. Il a alors été placé en coma artificiel, dans une unité de soins intensifs. Après 21 jours de coma, les médecins ont finalement décidé d'arrêter la sédation de Sergio Rico. Si aucune information n'avait depuis été communiquée sur son état de santé, sa femme Alba Silva est finalement sortie du silence. Interrogée par Europa Press, la jeune femme a révélé que son mari était réveillé depuis une semaine. Son état s'améliore, a-t-elle annoncé avant d'ajouter, Sergio communique, il nous appelle par nos prénoms et tout. Il sait parfaitement qui nous sommes. Sa mémoire est géniale. Sergio Rico pourrait bientôt quitter les soins intensifs. Pour le moment, Sergio Rico n'est pas encore sorti d'affaire et se trouve toujours en soins intensifs. Les récentes déclarations de sa femme sont cependant rassurantes. Alba Silva a d'ailleurs expliqué que la prochaine étape était sa sortie des soins intensifs. Les médecins n'ont pas encore décidé, ils doivent être sûrs. On leur fait confiance, a-t-elle indiqué. Finalement, Alba Silva a été interrogée sur l'accident du coéquipier de Kylian Mbappé. Elle a révélé qu'elle ne pensait pas qu'il avait des souvenirs de ce moment. Je ne pense pas, mais nous ne pourrons pas le savoir jusqu'à ce qu'il puisse parler, à tel confié. Pour le moment, la jeune femme se concentre surtout sur le fait que son mari soit dans les meilleures conditions pour récupérer et qu'il soit bien entouré de ses proches. Times through the rough times I